c'était ma vie. Quand j'étais plus jeune directrice générale d'un groupe multinational américain, une carrière fulgurante, des diplômes d'excellence, des meilleures écoles de commerce et des médailles d'or dans des compétitions sportives, tout me réussissait, tout venait vers moi et j'avais l'impression que personne et rien pourrait m'arrêter. Évidemment, ma confiance en moi semblait indestructible. Et là, je suis tombée du haut de ma tour. En quelques secondes, en 2008, comme un tsunami, la crise économique et financière arrive depuis les États-Unis, touche le monde entier, la majorité des entreprises, peut-être aussi la vôtre. Et travaillant pour un groupe international américain, je l'ai pris en pleine face. Au lieu de construire ma marque, ouvrir des points de vente, embaucher des talents, on me demande de faire le contraire, de couper les budgets, de fermer les boutiques et de me séparer d'une grande partie de mes équipes. Et puis, la direction de New York décide de fusionner ma marque avec une autre. Étant la plus jeune directrice générale des deux, on me demande de partir. Mrs. Merck, nous sommes obligés de nous séparer de vous. You're fired! Quoi? Moi? C'est pas possible. Mais non, jamais. Mais quelle chute! Les Américains me donnaient une heure pour prendre un carton, plier mes affaires, rendre mon ordinateur et de partir. En quelques minutes, vous étiez tout et vous n'êtes plus rien. Vous incarniez la réussite et là, vous incarnez l'échec. Le téléphone sonnait sans cesse et il n'y a plus personne qui t'appelle. Vous étiez au firmament. Et là, vous êtes néant. Il y a une phrase de Walt Disney qui dit « Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver dans la vie, c'est de prendre un grand coup de pied dans le visage. » Moi, j'ai pris un grand coup de pied dans mon visage. Mais je ne trouvais pas que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Au début, quand je l'ai pris. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il avait raison. Pendant les premières semaines, après mon licenciement, j'étais comme immobilisée. Je ne sortais plus. Je ne voulais plus voir quelqu'un. J'avais honte d'avoir perdu un poste aussi prestigieux. Des milliers de questions se tourmentaient dans ma tête. Je pense que je n'ai jamais pleuré autant dans ma vie. Et ma confiance en moi était complètement par terre. Et même pendant les prochaines semaines, je sentais que toute seule, je ne peux pas me relever. Alors, j'ose tout doucement de prendre un téléphone et d'appeler quelques amis proches. Je leur raconte ce qui s'était passé. Ils m'écoutent. Ils m'invitent même à la maison. Et là, je me dis, tu n'es pas fini. Tu as encore des amis. Même si j'avais perdu beaucoup d'amis. Parce que j'étais beaucoup moins puissante, même plus puissante du tout. Et parfois, j'entends dire, « Mais Michaela, pourquoi tu ne crées pas ton entreprise maintenant avec toutes tes expériences ?» Oui, mais bon, sur quoi ? Avec qui ? Comment ? J'avais jamais écrit un business plan dans ma vie.
ni j'étais obligée de chercher du business. Ça venait vers moi. Du coup, je décide de changer ma stratégie. Et je commence à aller à la rencontre des personnes dans mon réseau qui pourraient m'inspirer, qui avaient déjà réussi dans l'entrepreneuriat, qui pourraient peut-être m'apporter un tout petit peu de confiance. Des connaissances, des anciens clients, des anciens professeurs, des entrepreneurs inspirants. Et comme ça me fait beaucoup de bien, je commence à organiser un véritable marathon de rencontres entre la France et l'Allemagne, mon pays natal. Et de plus en plus, avec chaque rencontre, je commence à combler mon puzzle. Il y avait par exemple Eric, qui avait déjà créé beaucoup d'entreprises dans sa vie, avec succès, et qui me montre tous les avantages d'être indépendante. Puis il y avait Dominique, mon ancien professeur en marketing, extrêmement bien connecté, très généreux. Il me fait rencontrer plein de monde. Et puis il y avait Tobias, mon camarade de classe de l'école primaire. Il était de passage à Paris. Il est devenu un grand dirigeant dans une entreprise américaine dans le digital. Il cherche un consultant ou un chef de projet qui pourrait coordonner la première mise en place du site e-commerce pour Lacoste. Waouh! Et il me dit, Michaela, je te connais depuis tout petit. Je sais comment tu travailles. Je sais aussi quel poste tu as occupé pendant ces dernières années. Je te fais confiance de mener ce projet avec succès, si tu veux. Et même si tu ne connais pas grand-chose en e-commerce, ce n'est pas grave, ça s'apprend, et je vais te former, si tu veux. Et là, je réalise, mais cette énorme opportunité qui est juste face à moi, il suffit de la saisir. Et je me dis, mais vas-y, c'est comme une lumière qui s'illume dans tout ton corps, comme une chaleur qui monte, une joie, une excitation. Ça sentait bon. Et là, je me dis, fonce, crée enfin ton entreprise de conseil. N'hésite plus, confirme à Tobias et vas-y, dépose le nom de ta boîte Merck Vision. Alors, pendant tout ce chemin de rencontre, je me suis rendu compte que ce n'était pas à travers des livres ou à travers la méditation que je pourrais me reconstruire, mais c'était grâce aux autres, grâce à la rencontre avec beaucoup de personnes qui m'apportaient leur confiance. Le plus difficile pendant ce chemin de questionnement, d'apprentissage, c'était deux choses. Tout d'abord, de savoir filtrer les tas de conseils, les tas d'astuces, bons et pas bons, et de les comparer avec mes propres convictions, mes propres envies, mes propres valeurs. Deux, c'est de savoir identifier les bonnes personnes qui avaient la capacité de m'aider, de me redonner de la vie et de la confiance. C'est un petit peu comme si vous êtes face à une énorme montagne, très complexe, peut-être l'Everest, que vous avez envie de monter, mais toute seule, ce n'est pas possible. Donc il vous faut trouver des bons guides qui vous accompagnent en toute sécurité tout en haut du sommet. Et pendant ce chemin, vous allez rencontrer quatre types de personnes, quatre types de guides. Alors, tout un pas encore, avant de monter,
vous allez rencontrer des faux guides. J'ai envie de les appeler aussi des nuisibles. Pourquoi ? Ce sont des gens qui ne vous tirent pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Ce sont des pessimistes. Par nature, dans l'opposition, ils voient des difficultés et des problèmes partout. Et dans cette même catégorie, il y a aussi des gens qui se frottent les mains parce qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils sont jaloux. Eux, c'est faux guides. Il faut les éviter, il faut les écarter, il faut les fuir parce qu'ils vous freinent. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de guides. Ce sont des guides gentils. Ils ont envie de vous aider, mais ils ne peuvent pas vous aider. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. En leur présence, vous vous sentez probablement confortable parce qu'ils vous apprécient. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément le réseau qu'il vous faut pendant cette situation. Et parfois, leurs conseils s'appliquent plus à eux-mêmes qu'à vous. Ensuite, nous avons un troisième type de guide. Des guides accordés, des guides connectés. Ils sont très importants parce qu'ils ont exactement les réseaux qu'il vous faut. Ils vont vous mettre en contact avec plein de personnes, vous ouvrir des portes qui vous inspirent dans votre réflexion. Ils sont indispensables. Et ensuite, nous avons un quatrième type de guide. Ils sont rares, ils sont précieux, mais ils existent. Ils ont la capacité de vous accompagner tout en haut du sommet. J'ai envie de les appeler les Sherpas ou des guides miracles. Et ils vous accompagnent en haut. Et ils vont le faire si vous le voulez. Un jour, tôt ou tard, vous serez par terre, étudiant, entrepreneur ou militaire. Sachez que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Sans attendre, ni perdre de temps, allez rencontrer le plus de gens qui vous aident à traverser le pont. Vous guideront vers le rebond. Le rebond vers une autre vie, pour pouvoir dire pourquoi j'existe.